Écoute, je veux que tu comprennes. C'est ta vie. Ce sont tes choix. Quand je t'ai rencontré, tu m'as fait penser à un type que je pensais jamais revoir. Tout le monde lui disait qu'il était un raté, qu'il avait aucun espoir. En fait, il avait juste peur. C'est quoi l'espoir? En fait, c'est exactement ce qu'il me disait. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Il est mort. Non. Un jour, il sortait de garde à vue comme toi. Et s'il m'a regardé les gens autour de lui, il l'a regardé vraiment. Et là, il a tout compris. Il a compris que tout était entre ses mains. Personne ne savait qui il était vraiment. En fait, lui-même, il ne savait pas non plus. Et il s'est mis à avoir des rêves. Et il s'est senti libre. Je me suis senti libre. T'es toi ? Ouais. Et là, je me suis mis à exister. Tu comprends ? Tu es donc tu vis. Ne crains pas de t'afficher, car de toutes les manières, tu dois être déterminé. Si tes valeurs viennent du cœur, tu ne dois plus avoir peur. Le monde change. La société t'a fait comprendre que tu n'as rien espéré. Ces faux ne te laissent pas usurper. Tu es jeune, tu es fort, tu peux créer. Regarde-moi, rien qu'avec les mots, je me suis élevé. N'oublie pas d'où tu viens, respecte les tiens. Tu comprendras rapidement qu'une mère, qu'un père, tu n'en as qu'un. La vie aussi, elle évolue, mais rien n'est jamais fini. Si tu décides d'avancer, si tu ne te laisses pas tomber, alors la partie sera déjà bien engagée. Tu me dis que la société ne fait rien pour toi, que dans ton quartier, c'est la France d'en bas et que celle d'en haut vous tourne le dos. T'es énervé, t'as l'impression que tu ne pourras t'intégrer. Alors tu cours, tu déconnes, tu frissonnes, tu te fais interpeller, résultat, tu clôt le débat. Commence le jeu du chat et de la souris, tu sais, qui gagne perd, qui perd gagne. Le résultat est que, quoi qu'il arrive, tu perdras, car de ton temps, tu gâcheras. Ne les laisse pas dans ce constat, qui ne rajoute rien de bon pour toi. Tu n'as qu'une vie. C'est le moment maintenant construit. Tu peux évoluer, mais pour cela tu dois l'accepter. Le chemin sera long, parfois désagréable, parfois injuste, souvent instable. Au final, tu te construiras. Tu seras un bonhomme. Tu seras fier de toi.